voiture. Salut. Oh, crayon. Petit coquin, vous avez aimé ma chronique coquine la dernière fois. Alors là, j'ai décidé d'en faire une autre. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des exploits d'un jeune donjon, de Guillaume Apollinaire. Évidemment, on va rester quand même un peu classe. Les contes à faire rougir les petits chaperons étaient coquins. Là, c'est cochon. Ah, mais cochon, hein. Mais je me demande si les mœurs ont évolué, ont changé ou quelque chose. Là, en fait, c'est un jeune homme qui fait ça un peu avec tout le monde, même sa frangine. Donc, ça m'a un petit peu surprise, mais c'est très bien écrit, c'est drôle, il y a un début, il y a un milieu. Et il y a une fin, une vraie fin, en fait. C'est érotique, pornographique, un peu. Des fois, un petit peu bizarre, mais je vous le conseille, parce que ça se lit quand même très, très vite. Pas sûr que ça me fasse remonter la libido, mais oui, quand même. Petit coquin. À bientôt. J'ai failli me casser la tête.